découvre dans ces nominations un autre jalon significatif du mouvement général de renouvellement et de normalisation des institutions. On peut donc s'en féliciter. S'agissant du Conseil constitutionnel, de manière particulière, je dois dire que nous devons nous attacher à lui restituer son honneur et sa crédibilité. Nous devons agir dans le cadre du statut du Conseil constitutionnel en tant qu'organe indépendant et impartial, œuvrant à la consolidation de l'état de droit et de la sauvegarde du droit et des libertés dont le Conseil doit garantir le respect. Vous savez que le Conseil constitutionnel est un peu le gardien de l'application de la Constitution. Il doit donc en être un gardien scrupuleux et vigilant. Bien sûr, dans les limites du champ de ses compétences, qu'il doit s'interdire d'outrepasser. En tout cas, c'est la signification que je donne à la mission qui vient de nous être confiée, car il s'agit bien d'une mission que j'entends, que nous entendons assumer pleinement, en toute rigueur, avec une claire conscience des obligations et des responsabilités qui en découlent. Je m'y engage, et c'est ce à quoi j'engage tous les membres du Conseil constitutionnel. Nous devons agir toujours avec un sens élevé du droit, un sens élevé du devoir. Je vous remercie.